Et donc, salut à tous, c'est Baba Cher, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de HGDT en ce jour d'Halloween. Oups, rien que ça. Alors, HGDT, je ne sais plus combien d'épisodes, mais aujourd'hui c'est un épisode spécial. Merde, j'aurais dû la sauver. C'est un épisode spécial puisque aujourd'hui, on fait une partie Halloween. Une partie Halloween, oui. Sur les loups-garous, il y a des parties Halloween avec ce logo-là, les parties Halloween. Dans cette partie, les joueurs récoltent des citrouilles. J'ai pas trop compris, là, c'est la première fois que j'en fais une. Donc, je vais découvrir avec vous en même temps. Là, je regarde les messages. Mais, donc, je découvre. Et apparemment, les sons sont changés. On est aussi un peu en tant qu'anonyme. Par exemple, là, dans cette partie, vous appelez plus Babacha, mais je m'appelle Prédateur. Mais si, je sais qu'il y a un pseudo qui s'appelle Anaconda. J'aurais bien aimé l'avoir. Donc, composition des jeux, il n'y a rien qui change. Liste de joueurs non plus. Les sons changés, vous l'avez entendu, l'éclair. Il était bien. J'ai kiffé. Donc, on se remet au HGDT. Ça faisait longtemps que j'en ai même pas fait. Toujours moyen de parvenir à ce que je souhaite. Ok. Les loups KFK, bah, ça m'étonnerait. Ah, je suis sorcière. Que je n'ai pas dit, donc là j'avais décidé de ne rien faire. La voyante avait. Oh, en plus, elle avait espionné un joueur qui était loup-garou. Je ne regrette rien, franchement. Oh. C'est méchant, je veux dire, ma soeur. Salut. Tadef. Mince, qu'est-ce que j'ai comme def en sorcière déjà? En def en sorcière, il y a du rouge sur ma carte. Non, mauvaise def, très mauvaise def. Je prépare. Mince, qu'est-ce que j'ai comme def? Alchimiste en herbe. Limite d'Evo. Je suis alchimiste en herbe, c'est du limite d'Evo. Moi j'ai un vote, pas de dévot. Ah, j'ai pas vu. Donc il y a des votes pour un peu n'importe qui. En même temps, on est de tour 1, on peut rien affirmer avec des propos argumentés et inspectés. Tuer personne. Bah tiens, chat noir. J'aimerais bien savoir qui dev de chat noir. Dev de chat noir, j'ai des mains. C'est pas, non, c'est pas sœur. J'ai des mains. Salvateur. Égalité. C'est dommage, on n'aura pas de. N'aura pas de mort cette fois-ci. Donc, en même temps, on est tour 1, on peut pas tout deviner au début. Mais chat noir, j'ai des mains, donc j'imagine que ça doit être le salvateur. Ensuite, il y a Diablesse qui a eu son heure de gloire. Diablesse, j'ai dit. Diablesse, c'est méchant, je vais dire à ma soeur. Ok, soeur. Potion, dev de potion. C'est quoi la dev de potion? Il y en a un qui s'appelle Potiron. Potion n'a pas de dev. Potion n'a pas de dev. À sauver Di Diablesse. Je vais dire ma soeur. Je crois pas que Diablesse soit important en fait. Je vais surtout garder ma potion pour moi pour le moment et je vais regarder. Chat noir, je pense qu'il est inno. Donc vous voyez, il y a des pseudos qui sont vraiment changés. Il y a chat noir, Diablesse, potion, harpie, gargouille, fantôme, sorcier, potiron. What? Ah, Diablesse était sœur, c'est bon, ça va.
Donc, Stuclu, je sais pas, Clown, Kraken, Chauve-souris, Prédateur, Diablesse, là, encore une fois, Hydre. Donc, et j'ai vu qu'il y avait Anaconda aussi, donc ça c'est marrant. Chaman, éclaire-nous. Pas condition d'égalité à chaque fois que les loups tuent la nuit. On va vite être en infériorité numérique. Et oui, car il y a un. Bon, je peux compter 3 loups-garous plus un potentiel avec l'enfant sauvage. Sachant qu'il n'y a pas de voleurs, ça va être beaucoup plus simple de les avoir. Clown vote chat noir. Moi je vote clown. Tu votes tout le monde. Chat noir, Ino. Quoi, prédateur? Moi je suis une femme. Et non. Bon, je vais retirer mon vote sur Clown parce qu'il semble avoir compris, mais des votes. Donc, je suis une fille unique, les gars. Ah bah du coup, ça doit être la sœur. Clown. Boustion, je comprends rien à ta défense. C'est quoi la défense? C'est quoi la défense de Clown? Non, pas de Clown, de potion. Pas de potéon, de potion, attention. Mon potion n'a pas de def. Je ne comprends pas trop sa défense d'ailleurs. Attends. Potion, sa def, c'est toujours. J'ai toujours un moyen de parvenir à ce que je souhaite. Chasseur. Enfant sauvage, peut-être. Bah, loup-garou. Hein. Ça n'exclut pas le loup-garou. Je ne vois vraiment pas ce que ça peut être. Potion fake AFK. Peut-être que potion est AFK, peut-être. Hein. On va le voir. Donc moi, je suis pour le tuer. Heureusement qu'il n'y a pas d'ancien. Parce que là, j'ai fait deux parties juste avant et je me suis fait liquider à cause de l'ancien. J'aime bien les nouveaux bruits. J'aime bien les nouveaux bruits. Ils sont vraiment très oppressants. Et ça met beaucoup dans l'ambiance. Quoique une petite musique de fond dans le village, ce ne serait pas de refus comme moi j'avais fait. Mais bon. J'ai perdu mes enregistrements, donc peut-être que je n'en ferai pas, surtout que j'ai la flemme de faire le montage pour ça. Voilà. Pauvre chaton. Putain, j'ai un clou dans mon oreille. Ok. Potiron, votre potion, ça va votre ninja. Oh le bruit, il est horrible! Horrible le bruit. Ah, en fait, c'était chasseur sa défense. Faut pas qu'elle tue chat noir. Faut pas qu'elle tue chat noir. Moi, si j'étais chasseur, je tuerais plus Potiron. J'ai aussi demandé à Kraken et à Fantôme, ainsi qu'à Harpie, de se. Bah tiens, on les. Voilà, entre Kraken, Fantôme, Harpie et Chauve-souris, je vais demander une dev parmi les trois. Le chasseur n'a pas tiré. Sage décision. Si on tire en jeu, on a une chance sur 4 de tuer un loup-garou. Donc c'est très limite. Une chance sur 4, et 25% de chance d'atteindre dans la cible. Voilà. Donc, une nouvelle nuit tombe sur le village de Tiercelieu. Beaucoup de personnes avaient voté pour Potion, mais Potion n'a pas tiré finalement, elle quittait les chasseurs. Voilà. Dommage, le bruit de la porte n'a pas changé non plus. Un petit bruit stressant là, mais pas un bruit de porte. Ça fait plus. Oui, je prends la porte, c'est rigolo. Voilà. Donc, cette nuit, on va voir qui va crever. Si c'est moi qui crève, bien sûr. Hein. Je vais peut-être tuer quelqu'un d'ailleurs. Ouais, je vais tuer Chauve-souris. Qui me semble AFK puisqu'elle n'écrit pas de message. Je vais peut-être tuer quelqu'un, on va voir. Sauf si c'est moi. Alors on va voir ça tout de suite. Fantôme. C'est pas fantôme. J'ai tué Chauve-souris. Potion de mort. Ah, voilà, donc j'ai tué Chauve-souris. Ah, je peux utiliser deux potions d'une nuit. Ok. Donc Fantôme ne va pas mourir. J'espère que
C'était pas un montreur d'ours ou quelque chose, donc fantôme. Si, si, il est entre gargouille et sorcier. Ah bah tiens, sorcier aussi, il faudra que je lui demande une défense. Chauve-souris était. Salvateur. Kraken. Def. Chauve-souris et salvateur. Mais chat noir est quoi du coup? J'ai des mains. Ça peut être le montreur d'ours. Kraken, la nature, mon domaine. C'est pas le chasseur. Cupidon. Je vais retirer mon vote. Maintenant, je vais le concentrer sur. Personne. J'ai aucun doute. Je dois. Ça fait un choc hein, quand on apprend que. Au prochain jour, si on tue deux inos, on aura une chance sur deux de tomber sur un loup-garou. Ma def, j'ai des mains. Ça doit être le. Attends, je vais faire un test. Le chat noir, tu confirmes. Inos de. Pour voir si c'est le monteur d'ours, je ne sais pas. Je vote chat noir. Je me lève pas la nuit, je fais pas grand-chose. Alors. Cupidon, il faut choper le coup. Non. Personne. Le son est mortel. Le son est mortel. Il me le faut. Il me le faut. La prochaine fois, je ferai un enregistrement. Ce son, il est mortel le son. Il est mortel. Prédateur qui est mort. Ah mais c'est moi prédateur. Pourquoi je dois mourir? Potion de vie. Pourquoi elle doit mourir? J'ai une potion de vie. Non mais oh. C'était HU DEF. Tout le monde demande des défenses partout, c'est génial. J'ai fait tuer un G, ça suffit pas. Une def sur.
Et abandon dans la carte. Gargouille. Mais. Gargouille âgé, les gens. Gargouille âgé, les gens. Mais. C'était moi qui devais crever cette nuit. Bah, la dure, c'est mon traitement. Ah non, mais moi je vote pour Gargouille, il s'est dévoué aux sorciers, j'avais même pas vu. Non, mais sérieusement, les gens. Gargouille. Ça, c'est pas une gargouille, ça? Ça me fait penser à Gargouille. C'est une marmite. Gargouille. Je sais pas bosser quand j'agis, j'ai bien fait. Ah oui, je dors toutes tes nuits. Mais oui, Kraken, c'est le Cupidon. Voyons. Donc là, il reste. Il n'y a pas de voleur, sérieusement. Là, quand je me dis là, on a perdu là. On a perdu là, par contre. Attention, le coup de tonnerre là. Donc en seconde, le coup de tonnerre. Bordel, le MO grogne jamais. J'imagine que le MO ça doit être CH de Juju. Et le loup-garou, du coup, soit sorcier. Yep. Gargouille léger, bah oui, c'est normal. Donc, prochain, je vais sur sorcier. Prochain, je vais sur sorcier, et après on verra si l'enfant sauvage, bah c'est transformé ou non. Putain, il est mortel ce son. Par contre, ça fait mal à la gorge. Normalement, je dois crever cette nuit. Normalement. Le prochain, c'est sorcier qui passe. Normalement, je dois crever cette nuit. Si sorcier ne meurt pas cette nuit, je soupçonne chat noir. Bah tiens. J'adore AG, non sorcier en fait. Bon bah voilà, j'étais mort, bah j'étais sûr d'être mort. Hein. RIP, GG, enfin le MO. What the fuck, attends, j'essaie de comprendre. Je suis pas AG, bon je sais plus, attends, je dois manger. Alors. Chat noir était le loup-garou! Chat noir était le loup-garou! Je le savais. Je le savais! J'ai des mains! Non mais sérieusement. Loup-garou. C'est une dev de loup-garou ça? J'ai des mains. Putain en plus ça. Mais c'est une super dev de loup-garou ça! Putain c'est cool! C'est une jolie dev, hein. J'ai des mains. J'ai des mains! Bon, par contre, chat noir aurait pu rester AFK tout de même. À moins que c'était le dernier loup-garou et que du coup, bah voilà. Hein. Du coup, c'est qui le. Il reste plus que l'enfant sauvage qui, à mon avis, s'est transformé. Mais là, par contre, c'est le dernier jour. Demain, nous serons tous morts. Si là, il ne chope pas le. Le. Comment dire? Le. L'enfant sauvage, le S. Bah là. Oula, y a CTH Hul qui commence à péter un câble. Devinez pourquoi j'étais en couple avec Chat Noir. Mais c'est Kraken le Cupid normalement.
Enfant sauvage. Putain, mais comment je peux être con? C'est craqué l'enfant sauvage. Sadès, c'est je suis de la nature. Enfant sauvage, c'est la nature sauvage. Putain, on va perdre. Kraken, calme-toi, prépare tes valises. Je suis Cupid. Mais oui, voilà. C'était pour ça qu'il est en couple. Kraken, c'est le. Putain. Kraken ES. Kraken ES. Bon bah voilà. Sorcier LG. Il y a plus de LG. La def à Kraken rapport avec le rapport. Nature, voilà. Kraken, Kraken était le monteur d'eau, what the fuck? C'était qui l'enfant sauvage? C'était sorcier. Des mots débiles. C'est vrai, citron de récolté à Halloween plus 2. Ah, mauvais empoisonnement pour sorcière. Désolé, j'ai fail. Et ben voilà, les mots grognent pour ses voisins. Rage et pas, ça marche dessus, en dessous, c'était en bas, ça remonte en haut. Oui, c'est ça. GG le S. Hein. J'étais sûr que sorcier, putain de merde, j'aurais dû. J'aurais dû. J'aurais dû. Bon, bah. GG. Bah, GG à G, hein. Bah, je vais voir un peu. Je crois que j'ai pas tout vu au hein, niveau. Voilà, vous voyez les parties. Ah oui, il y a les parties à 50 à Halloween, ça doit être amusant. Mais pas pour maintenant. J'ai juste retourné sur l'accueil pour voir. Il y avait une annonce. Une surprise voisin également le jour d'Halloween. Mais celle-ci sera révélée à ce moment-là. Ah! On verra bien. En attendant, vous pourrez trouver plus d'infos sur le sujet dédié sur le forum. Je vais aller voir ça tout de suite, événement d'Halloween. La surprise, il y aura une surprise mise à jour, lors de la mise à jour d'Halloween. Donc, cette année, vous retrouvez le 21 octobre du 2 novembre 2015 l'événement d'Halloween. Cette animation concerne un type de partie pour intentionner sur les types classiques, carnage, fun, normal ou serious. La case Halloween apparaîtra seulement sur le premier quart d'heure de chaque heure, jusqu'au 2 novembre 2015. Un compteur vous apparaîtra pour vous signaler à quelle heure l'option est disponible. Là, par contre, là, en ce moment-là même où je tourne la vidéo, il est 30. Donc là, il n'y est pas. Ces parties sont des parties anonymes avec des noms sur le thème d'Halloween. Sept nouveaux noms sont apparus par rapport à l'année dernière. À l'année dernière aussi, ils avaient fait. Saurez-vous trouver lesquels pour les plus fidèles? Bah, désolé, j'étais pas là l'année dernière. J'ai trouvé ce jeu vers. J'ai trouvé ce jeu en juin dernier. La première vidéo, voilà. À la fin des parties, vous gagnerez des citrouilles. Sinon, vous serez continuellement mis à jour dans votre badge d'Halloween disponible dans votre profil. Essayez donc d'avoir ce badge. Une surprise vous attend le jour d'Halloween. On se retrouve d'ici là. Bonne chasse aux citrouilles. Donc, c'est un peu un type de chasse de citrouilles. C'est plutôt amusant. Hein. Moi, je vais aller regarder un peu. Citrouille, non, non, je vais aller voir mon profil, s'il vous plaît. Profil, mon compte. Voir les badges. Voilà, les badges. Niveau citrouille. Ah, citrouille, si, si. Il vous manque 46 citrouilles récoltées pour obtenir le premier titre. Hein. Ok, donc vous voyez un peu tous les titres qu'on peut avoir. Hein. Le premier du monde, bah, il en a masse. Bon, bah, c'était un joli test. Hein. Les bruitages et bruitages spécial Halloween, j'ai kiffé ma gueule. J'ai bien aimé. Franchement, les bruits sont bien travaillés, ils font mal aux oreilles, mais bon, voyez le petit symbole. Tiens, crée une partie, fais créer une partie. Oula, merde, ça bug un peu. Ça bug. Partie fun, voilà. Voilà, fais créer une partie, ma partie. Deux joueurs, cette partie. Non fixé, bon. Moi, je veux des joueurs de haut niveau, ma gueule. Ah mince, seuls les banques pour mieux pas jouer dans ce. Bon bah c'est pas grave.
Oh, 50 petits fours, une partie, ça fait 1 heure, c'est une partie à 50. C'est une partie Halloween pour découvrir les nouveaux. Oh, il y en a masse! Il y en a masse, attends, regarde, il y a Kraken, Sorcier, Sully, Mort-Vivant, Araignée, Vidragon, Potion, Ursula, Son Visage, Bruit Inquiétant, Croque-Mort, Creeper, oh, Creeper, Cannibale, Démon, Shoot de Bruxelles, sérieusement. Chauve-souris, Balrog, Maison hantée, Cafard, Croque-Mitaine, Yeti, Balai, ok. Golem de feu, Potiron, Tarentule, Harpie, Cimetière, Vampire, Rat, Cookie Vengeur. Cookie Vengeur, j'aime bien ce pseudo. Épouvantail, Bossu, et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Bref, c'était Baba Cham, pouce bleu, abonnez-vous. Et à la prochaine pour une autre partie des loups-garous de tiers lieu. Halloween.